essayer avec ce soir pour vous Jean-François Derecq, Valérie Mérès, Stevie Boulet, Gérard Miller, Annie Lemoine et Perry Cochard. Stevie, je vous ai vu, Stevie, rire comme un âne, comme bourriquet. Oh, bon, sans prix. Devant la caricature de Perry Cochin, dont on ne se lasse pas, je dois dire. On peut revoir là la caricature de Perry Cochin. Bah, voyons. On ne s'en lasse pas, comme on dit. Je pourrais revoir la mienne en détail, d'ailleurs, à l'occasion. Et celle de Stevie, on peut revoir. Celle... Vous avez la même dentition, en fait. Regardez, regardez. Oh, ils ont accentué Stevie sur le son. Voilà. C'est vrai, j'avais pas. Gérard. Je n'ai aucune critique à faire à la mienne, sauf que je ne porte plus de lunettes. Vous voyez bien maintenant, d'ailleurs, Gérard. Très, très bien. Elle voit mieux. Perry, vous la voyez bien, vous la... Oui. Alors, je veux dire, vous êtes une beauté étonnante. Hein. Non, on ne s'en lasse jamais. Hein, et vous avez remarqué, les filles qui sont de chaque côté de Gérard sont tellement belles que lui a l'air d'être beau aussi. Ouais. Allez, je crois qu'il est temps de passer à la photo du jour. Cette photo, c'est celle de celui, c'est un scoop, qui devrait diriger la Maison Bleue. C'est le nouveau nom de l'UMP, l'Union pour la Majorité Présidentielle, au cas où Alain Juppé adopterait définitivement cette idée de Maison Bleue. Alors, je pense que vous serez tous d'accord. Il n'y a qu'un homme qui est tout désigné pour diriger la Maison Bleue. C'est lui, Michou. Vous connaissez Michou, Annie? Oui. Vous êtes déjà allé chez Michou? Je suis jamais allée chez lui, mais je l'ai croisé dans des soirées et c'est une figure de la vie parisienne. C'est qu'un jour, si vous êtes vraiment très très célèbre, ce qui ne devrait pas tarder, parce que déjà la France connaît Annie Lemoine, mais un jour peut-être il y aura un travesti, un transformiste, je crois qu'il faut dire transformiste, oui, qui chez Michou se déguisera le soir en Annie Lemoine. Oui, bah, je suis pas pressée. Derecq, un jour il y aura un transformiste qui... Je me demande si c'est pas lui d'ailleurs déjà. Non, il paraît que c'est très sympa d'aller chez Michou, Gérard. Écoutez, moi, une fois, vous m'avez amené dans une boîte, je crois, de travestis, et à 15 mètres de l'entrée, et une femme ou un homme, je ne sais pas, habillé en tout cas de façon extravagante, hurle « La voilà la Miller !» Vous serez resté en plus. Allez, on passe à la revue de presse des dessins humoristiques. Alors, je vous connais, vous qui êtes fidèles de l'émission, vous dites, tiens, déjà, alors qu'on n'est que jeudi, mais oui, mais demain, vendredi, à cette même heure, c'est du tennis que vous verrez à notre place. Demi-finale de la Coupe Davis oblige. Donc, dès ce soir, dessin de la semaine, j'ai avancé d'une journée cette revue de presse des dessins humoristiques. Et on commence par Charlie Hebdo, toujours à propos de la Maison Bleue, justement. Un dessin d'Honoré qui croque Françoise de Panafieux. Et on voit Madame de Panafieux qui dit, Maison Bleue, ça fait un peu bordel, mais comme on est pour la réouverture des maisons closes, après tout, Gérard... Je ne suis pas contre ce terme. Tout le monde s'en moque, tout le monde trouve ça ridicule. Je ne suis pas contre. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas mieux que UMP, que PC, que PS. Moi, j'aime bien. Mais parce que c'est la maison de Maxime Le Forestier, et puis c'est tout. Elle est accrochée à la colline, et je ne veux pas qu'il y ait... Autre sujet, toujours dans Charlie Hebdo. Ce terrible dessin de Luz qui nous montre un petit porteur de France Télécom. Regardez, tu devineras jamais d'où je t'arrête. Quick. Il s'est suicidé. Vous en aviez des actions France Télécom, Gérard? Alors, je vais vous dire, les seules que j'avais achetées tout au début, les premières de ma vie, c'est les actions France Télécom pour 1 500 €. Et aujourd'hui, ça doit valoir, je sais pas, 150 €, quelque chose comme ça. Donc, je suis parmi les petits porteurs de France Télécom. Bah, tu portes la mouise, hein? Ouais. Qui est actionnaire ici? Stevie, vous avez des actions? Oui, quelques-unes. C'est pas vrai. Ah, à votre âge, déjà? Oui, oui. Ouais, c'est bien, il investit, Stevie. Hein. Ouais. Bon, j'assure mes arrières, quand même. Vous assurez vos arrières. Le zoo ne serait plus rien. Par contre... Pétillon, dessinateur qu'on aime beaucoup, revient lui dans Le Canard enchaîné sur les dramatiques inondations qui ont touché le sud-est de la France et surtout sur ces imbéciles. On les a vus parfois dans les journaux télévisés qui sont venus très curieux prendre des photos sur place après le drame. Et on voit des curieux qui rencontrent d'autres curieux. Tiens, on se serait pas rencontrés dans la Somme déjà? On a le même phénomène systématiquement quand il y a un accident de la route ou quand tu as quelqu'un qui est allé par terre. Je trouve ça assez monstrueux.
au lieu d'intervenir et tous quelque part, qui ne s'arrête pas quand il y a un accident de la route, qui ne s'arrête pas, vous arrêtez, enfin, sans s'arrêter, mais tourner la tête pour regarder, non? Non, j'évite justement. C'est vrai? Ouais, et vous tapez un accident en face alors. Stevie? Oui, je... enfin c'est ça. Stevie, mais avec ton look, tu les provoques les accidents. Oh, bon. Au revoir. Dans le Parisien, Rançon revenait lui cette semaine. Un sujet qui va vous intéresser, Gérard, sur les 60 ans de Michel Drucker, que toute la presse salue. On ne peut pas ignorer qu'il a eu 60 ans cette semaine. Regardez ce dessin de Rançon. Michel Drucker, 60 ans. Et la dame dit, je pensais pas qu'on était resté si longtemps devant la télé. Très bon dessin d'Olivier Rançon. Un peu de culture maintenant avec Jules qui célèbre à sa façon le 25e anniversaire de la disparition de la Calas. Regardez cette dame qui devant son téléviseur voit la Calas et qui dit « Avec un maquillage aussi vulgaire, il passera jamais à Star Academy. » On peut encore conseiller, même si on en a parlé lundi, le film avec Fanny Ardant, superbe dans le rôle de Maria Callas. Le film s'appelle Callas Forever. C'est vrai qu'on l'a plutôt aimé, en tout cas ceux qui ont vu le film ici. Décidément intéressé par la rentrée culturelle, le même dessinateur, Jules, signe dans Charlie Hebdo sa vision de la rentrée littéraire. Regardez, l'ordre du Temple solaire. On le voit partout en ce moment. Il y a deux écrivains qu'on ne peut pas rater en cette rentrée littéraire et télévisuelle. C'est Philippe Soler, c'est Yann Moix, à propos de son bouquin sur Clo-Clo. Vous ne pouvez pas ouvrir une chaîne de... Il y a un troisième écrivain qui s'appelle Franck Dubosc. Je ne sais pas ce qu'il a écrit. Mais on voit qu'eux en ce moment, hein, Gérard. Oui, enfin, il faut faire attention parce que l'année dernière, c'était Houellebecq et aujourd'hui, il est devant les tribunaux. Donc l'année prochaine, si ça se trouve... C'est pas faux. Il faut que Dubosc se méfie. Allez, un mot d'enfant pour terminer avec les triplés. Je ne sais pas si vous connaissez les triplés. C'est Nicole Lambert qui, chaque semaine dans Figaro Madame, prend des mots d'enfant et les dessine à sa façon. Alors, ils sont tous les trois dans un jardin. Alors, il y en a un qui sent une fleur, l'autre une autre. Le premier dit c'est vrai qu'elle sent bon, celle-là, dit le premier triplé. Deuxième triplé, et celle-là, grand-père, délicieuse. Et le troisième sent de la lavande et dit celle-là, c'est la meilleure. Elle sent si bon, elle sent comme dans les cabinets. C'est mignon. Gérard, moi j'ai un souvenir assez proche de celui-là. Un de mes enfants, quand il avait 4-5 ans, est rentré dans une église pour la première fois de sa vie. Il voit Jésus sur la croix, il s'en approche, fasciné, et dit « Celui-là, je l'ai vu à la télé. » Autre sujet. Il y a deux types de concierges. Vous le savez, les concierges qui vous surveillent en balayant la cour et puis ceux qui travaillent dans les palaces. Ces derniers sont aujourd'hui 4000 dans le monde, dont 360 en France. Leur travail de concierge consiste à assurer les réservations de restaurants et de spectacles ainsi que de jouer les guides touristiques. D'autre part, ils sont tenus d'être courtois et de parler plusieurs langues. Moi, par exemple, je ne pourrais pas être concierge, vous voyez. Jean Benguigui, qui n'a travaillé pour l'instant comme concierge que dans le palace de Jean-Michel Ribes, a testé pour nous être concierge dans les vrais palaces. Une caméra cachée par Jean-Pierre Petit. Regardez. Salut, c'est Benguigui. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous être engagé comme concierge dans un palace. J'ai cherché une place des concierges. Oui. J'ai déjà les certificats, vous voyez, là où j'ai travaillé. Oui. En Seine-Saint-Denis, beaucoup. Pour vous montrer la compétence, j'ai, vous voyez, diplôme. Je suis très propre, hein, vous voyez, j'ai fait toujours très bien tenu l'escalier, très bien tenu la chambre, tout. Concierge d'hôtel, c'est pas concierge d'immeuble, c'est différent. Je suis monsieur Fernandez, bonjour monsieur. Enchanté, je suis Philippe. Bonjour monsieur. J'ai tous les références ici. Vous voyez, j'étais en Seine-Saint-Denis très longtemps. Et j'ai surtout travaillé gardien de nuit à Vierzon. Parce que j'ai eu, vous voyez, avec le diplôme, j'ai eu la clé aussi. Et j'ai tes diplômes. C'est bien ça. Vous avez un diplôme ? Gardien d'immeuble en fait. Là, c'est gardien d'immeuble. Donc je suis apte. Malheureusement, pour vous, nous ne recherchons pas spécialement en fait personnel. Du moins, vous cherchez la nuit ou mais... J'ai besoin de travailler, monsieur. Vous me préparez un CV. Vous y êtes pas, je vous fais un exemple. Hein. Merci, tu es très gentil. Voilà, par exemple, vous voyez, là, il a mis son nom, le téléphone, l'adresse. D'accord. Hop, donc les dates. J'envoie celui-là. D'accord. Je prends celui-là, je l'envoie. Non. Non, enfin, le vôtre. En fait. Le mois. Le vôtre, mais vous faites un exemple comme ça. Comme ça. Écoutez, merci, monsieur. La grande vie dans les palaces, couloirs géants, parcs
Bonjour. Je m'a dit que je pouvais passer pour la place. Quelle place? Concierge. Une place de concierge? Si. Bien. Vous vous asseyez deux minutes. Oui. Je vais voir avec notre chef concierge. Très bien. Voilà, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis concierge, je suis au chômage, d'accord, du travail. J'ai tous les dossiers, lettres de recommandation. D'accord. J'ai expérience de l'hôtel de la gare, mm-hmm, à Vierzon. Vous voyez, j'ai la recommandation. Et surtout, madame, je voulais vous montrer que je suis bon. Voilà. J'ai le diplôme, vous voyez. Très bien. J'ai la clé d'or, vous voyez. Très bien. C'est pas tout à fait ça qu'on a, nous. Vous vous moquez? Non, je ne me moque pas. Je vais vous faire des photocopies de oui, ça. Oui, merci beaucoup, madame. Et puis, je vous reviens tout de suite. Bonjour, monsieur. Monsieur Fernandez. Bonjour. Monsieur, je suis venu pour la place concierge. Je donnais les références à une dame, elle est partie faire photocopie. D'accord. Alors, vous ne restez pas, c'est l'entrée du personnel, de votre côté. L'entrée personnel, je suis... L'entrée du personnel. Ah, il faut déjà... Alors, je voudrais récupérer mes papiers et les certificats. Vous allez les récupérer là-bas. Jean-Benguigui dans les palaces. Il n'est pas prêt d'être pris comme concierge, hein. Vous qui parfois avez peut-être fréquenté les palaces, Annie Lemoine, le rôle du concierge dans un palace, c'est important? Fondamental. Ça m'arrive tout seul. À vos amours, cher ami. Je vous remercie. Non, c'est fondamental, parce que c'est celui qui peut tout vous donner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, c'est sa mission. Raconte, Annie, raconte. Il est là pour rendre service aux clients, aux clientes. Et surtout, il a beaucoup de mémoire. Il sait qui vous êtes, ouais, à quelle heure vous êtes rentrée. Enfin, c'est quelqu'un de très précieux. C'est comme ça, Valérie? Oui, c'est ça qui est agréable. C'est qu'il a l'œil, quoi. Il est physionomiste. Moi, je ne pourrais, pourrais pas être concierge d'hôtel. Je ne reconnais jamais personne. C'est vrai? C'est horrible. Votre mari, le soir, quand il rentre, vous... Mais vous, par exemple, je vous reconnais. Oui. Mais quelquefois, par exemple, mon boucher, que j'aime beaucoup, si je ne le rencontre pas dans sa boucherie, ben je me dirais, mais je le connais, mais c'est qui, quoi? Ouais. Bon, c'est des cases du cerveau, hein, qui sont bouchées. Hein. Eh oui. Pour cet éclair de lucidité, il vous sera beaucoup pardonné, Valérie. Voilà. Perry, le concierge est important, Perry. Absolument, absolument, indispensable. Et je lisais qu'il n'y en avait que 3000 dans le monde et ça m'a paru très, très peu. Bah écoutez, on va se renseigner directement auprès d'une personne très intéressée puisqu'il est le cofondateur de l'Institut de Conciergerie Internationale. Il est aussi professeur de conciergerie, Monsieur Pascal Payen-Apfenzeller. Bonjour. Alors, vous enseignez la formation des concierges? Ah, est-ce qu'on enseigne la formation? On enseigne les concierges. Vous savez, c'est un institut qui a été créé il y a une vingtaine d'années, ouais, au fond par un Suisse d'origine, parce qu'il y a une tradition suisse de l'hôtellerie. Et il s'est dit, eh bien, un jour, il faudra qu'on accueille encore mieux. Et j'entendais les compliments que vous faisiez aux concierges en disant qu'ils ont de la mémoire, qu'ils savent reconnaître. Vous avez vu avec quelle courtoisie a été reçu Benguigui. Eh bien ça, c'est pas de la courtoisie forcée, c'est vrai. Je me suis dit quand même justement dans le reportage que comme ils sont hyper physionomistes quand même, oui, est-ce qu'ils n'auraient pas reconnu Benguigui pour rester si aimable? Écoutez, alors c'est une très bonne question. Je n'en sais rien. Je sais que je suis formidable. Alors là, monsieur... Monsieur Payen-Apfenzeller, vous avez de la chance. Vous êtes un homme heureux, vous êtes tombé sur la case qui restait vide. Si j'ai eu l'envie de vous inviter, monsieur Pascal Payen-Apfenzeller, votre nom est dur à prononcer. Ah, mais c'est un nom, mais je suis né à Paris. Hein. Pascal Payen-Apfenzeller. C'est le fromage? Ah, bien, voilà, fromage pour les fondus. Alors, vous avez écrit d'abord un livre qui s'appelle Paris à travers les âges. Oui, oui, un, oui. Un très joli livre. Alors, sauf que je trouve que vous n'êtes pas foulé. Hein, parce que moi, on m'a confié ce... Mm. Ah, c'est pas celui-là, merde, celui-là, il y a les vraies photos dedans. Ah on... le livre paraît demain et alors on vous a confié la maquette en blanc. Oui. Et là, ben, ça y est, maintenant, il y a les textes. On m'a changé au dernier moment. Voilà, je voulais faire un gag, j'avais que des pages blanches tout à l'heure. Et d'un seul coup, c'est de la magie, les photos sont réapparues. C'est un très beau livre. Merci. Question de Perry Cochin tout à l'heure, elle trouvait que c'était peu le nombre de 4000 concierges en France, dans le monde et 360 en France. Oui, alors c'est peu. En réalité, les concierges ne sont pas seulement dans les hôtels, ils sont partout maintenant. Hein. Ils sont dans tous les lieux, les foires, expositions, les aéroports. Et bientôt, il y aura à Paris des concierges dans les hôpitaux. Mais alors, ils font quoi? En fait, il va rendre tous les services à quelqu'un qui réside quelque part et qui devient nomade.
Au fond, le concierge, c'est l'intermédiaire entre le voyageur et puis l'habitant. J'aimerais signaler l'ouverture d'un nouveau palace à Paris. Là, vous semblez faire la fine bouche sur ce nouveau palace. Ben oui, j'ai fait la fine bouche parce qu'il ne suffit pas de dire c'est cher, donc c'est un palace. Un palace, c'est tout sauf quelque chose de cher. Un palace, c'est un lieu. Ah oui, non, mais. C'est cher aussi. C'est cher parce qu'il y a tout ce qui est dedans, mais si c'est cher d'abord, ça n'a aucun intérêt. Alors qu'est-ce qui lui manque à ce palace-là qui vient d'ouvrir pour être un palace comme les autres? Bah d'abord d'être discret, de ne pas dire qu'il est un palace. C'est la première chose de la vie, c'est de devenir et non pas de se déclarer. Ce que vous semblez reprocher surtout à ce nouveau palace qui vient d'arriver, et là je vais essayer de contre-argumenter, je vais me faire l'avocat du diable, c'est que le personnel qui a été engagé dans ce nouvel hôtel est, soi-disant, un peu plus jeune que les concierges ou le personnel, les serveurs qu'on voit dans les autres palaces, et vous dites moins expérimenté certainement, et certainement moins au service du client. Ils ont engagé des jeunes gens, c'est vrai, mais sans aucune expérience professionnelle. Et je veux dire que ces jeunes gens, ils vont devenir. Mais comment se dire palace lorsqu'on a donné une formation ultra rapide, alors que c'est justement l'endroit où on va avoir des clients qui vont demander peut-être des services très complexes, très compliqués, et en tous les cas, qui vont être dignes d'un palace. Ce que je reproche, c'est que ça, on peut le faire partout, et notamment, on peut engager des gens sans expérience du moment qu'il y a un attelage avec des gens qui ont beaucoup d'expérience. Et rien ne vaut d'être deux pour diriger quelque chose. Annie Lemoine, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Le reproche que vous faites, c'est quand même la tendance générale dans la restauration. Des serveurs et des serveuses très jolies, et puis des gens qui ne sont pas très compétents au départ, mais qu'ils deviennent. Et là, c'est la même chose. Oui, mais ils mettent un peu de temps à le devenir quand même. Non, écoutez, moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que l'âge joue quand même son rôle. Je prends un exemple. Stevie, qui est infiniment plus jeune que moi, imaginons que tu sois concierge dans un grand hôtel. Je vais faire la même chose que toi. Tu as un client, vous allez voir comment la jeunesse réagit. Tu as un client qui arrive le matin et qui te dit « Je voudrais savoir à quelle heure mon épouse est rentrée cette nuit. » Qu'est-ce que tu lui réponds? Voilà comment un jeune va lui répondre et vous allez voir ce que le vrai professionnel va lui répondre. Qu'est-ce que tu lui réponds, toi? Désolé, monsieur, je viens de prendre mon service à 7h du matin, mais j'ai appelé le concierge de nuit pour savoir à quelle heure est rentrée votre femme. Alors, il te demande d'appeler le concierge de nuit. Et qu'est-ce que tu lui dis? Je dis, bah voilà, il y a monsieur, je sais pas, je dis monsieur Bordel. Hein, monsieur Bordel est arrivé, il aimerait savoir à quelle heure est rentrée sa femme. Je lui pose la question. Monsieur Bordel! Madame Bordel. Alors que c'est un manque absolu de discrétion. Un vrai concierge professionnel comme moi, mûr, répond « Monsieur le directeur, votre épouse est si belle que chaque fois qu'elle rentre, elle stoppe les horloges du temps. » Tu réponds pas à la question. Et moi alors là, et moi, je fous mon coup de poing dans la gueule au concierge parce qu'il drague ma femme. Voilà, exactement. Mais non, et là le gars, il lui dit « Ah non, ça doit pas être ma femme. » Pascal Payen à peine de l'air, Paris à travers les âges, spécialiste des palaces. Un autre invité, c'est la première fois qu'on l'accueille, on est ravis. Vous le connaissez, il s'appelle Vincent Perrault. Et Vincent Perrault fait beaucoup de choses, télé, radio, livres, puisqu'au mois de novembre sortira même bande originale de film, bof, les musiques de l'écran. Ce sera aux éditions Dreamland, une anthologie du cinéma à travers les musiques de films et leurs compositeurs. C'est peut-être pour ne pas perdre de temps entre chacune de ces activités que Vincent Perrault pilote des dragsters, sorte de fusées montées sur roues qui vont à 400 km/h. Recordman de vitesse à plusieurs reprises, il tentait encore la semaine dernière un nouvel exploit. Je crois qu'il est temps, pour nous, de recevoir celui qui a animé 40 degrés à l'ombre, Vincent à l'heure, ou même l'émission des records. C'est sur une chaîne concurrente, d'accord, mais on ne va pas quand même s'empêcher de le recevoir pour autant. Voici Vincent Perrault. Salut. Bonjour, 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 bonjour. Ah, ça, c'est votre dragster qu'on voit en photo, là. Oui, oui, oui. Vincent Perrault à fond les manettes. Comme tu dis, oui, à fond la caisse, oui. Alors, la semaine dernière, vous avez essayé à nouveau de battre un record. C'est-à-dire que j'ai eu un petit peu chaud au cul la dernière fois. Ça a un peu foiré. Voilà, non, enfin, ça a pas foiré. C'est-à-dire que c'est quand même allé vite, puisque j'ai atteint la jolie vitesse de 411,4 km/h en moins de 3 secondes d'accélération. On a des images. On regarde ensemble, alors. Bah, peut-être, on va regarder tout de suite. C'était la semaine dernière, ça? C'était lundi dernier, oui. Oui, oui, sur l'aérodrome de Melun-Villaroche. Vincent Perrault qui tente un nouveau record. Et tu me regardes jusqu'au dernier moment. Si jamais je vois un coup qui se barre, je te ferai signe de tout arrêter. Hein. Ok. C'est bon? Pourquoi j'allais de travers comme ça? Ouais, voilà. C'est parce que les parachutes se sont pas ouverts. Parce que c'est ça qui stabilise d'habitude. Oh là là. C'est pas normal que j'aille si loin d'ailleurs.
Alors, moi, je veux comprendre. Vous dites, combien de temps vous... pour atteindre 411 km/h, combien de temps vous roulez ? Là, 3 secondes. 3 secondes. Le but de ce genre de choses, de ce genre de sport, c'est d'aller le plus vite possible en un minimum de temps sur une distance relativement courte. Donc c'est pour ça qu'on utilise des moteurs comme des réacteurs d'avion de chasse. C'est ce que j'ai sur cette voiture, en fait. Vous... moi, j'ai l'impression que vous êtes déjà mort. Oh bon. Vous savez, Annie, attends, je voudrais répondre à Annie. Peut-être moi la première, et pour vous que ça ne tombe pas. Ah non, t'as pas de malheur. Non, mais remettez la photo, là. Vincent Perrault, toujours plus vite, et puis vos petits sourires mignons, là. Moi, je vois Vincent Perrault aller toujours plus vite, et puis clac, et ben un jour, ça... Non, mais Annie, c'est horrible. Il faut arrêter ça tout de suite, Vincent. Il faut arrêter ça tout de suite. Mais non, moi, je ne suis pas d'accord. Mais si, moi, autant je déteste absolument les gens qui vont vite, et évidemment, au-delà de la limitation de vitesse sur les routes, autant. Mais moi, j'invite la gendarmerie à me chronométrer, c'est quand même. Mais quel est le problème pour lui? Il aime ça, il me met la vie en danger de personne. Mais il met la sienne en danger. Son droit. C'est parce que vous voulez récupérer la place à TF1, vous me dites ça. Vous allez toujours plus loin. Je veux parler avec elle. Non, pas du tout. Pas plus que les mecs qui sautent en parachute ou qui... Ah, c'est beaucoup plus. Franchement, non, mais moi, je vous comprends. Imaginez quelqu'un, moi je vois le drame de Jean-François. Non, je ne comprends pas du tout. Ça cache quelque chose. Mais non, Vincent, imaginez quelqu'un comme vous qui n'a aucun charme physique, qui n'a aucun... et qui... Non, il parle de Jean-François. Est-ce que tu peux me lâcher les baskets? Je vais vous dire, je suis admiratif. Je me souviens que Coluche, si je ne me trompe plus, faisait ça sur moto. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ce qui est dans... Ah, mais dis-le-moi si tu veux quelque chose que je t'ai pas encore fait. Il avait voulu tenter un record de vitesse à moto départ lancé, si je me souviens bien. Coluche, oui, il avait fait ça. Derek, dis-moi, est-ce que t'as la clim dans ta bagnole avec ton modèle? J'ai évidemment autoradio, ABS, clim. Alors, Vincent Perrault. Alors. On va oublier un instant ce record, il y en aura un autre que vous tenterez bientôt. Bah oui, parce qu'à cause du vent, je n'ai fait que 411, alors que mon objectif c'était quand même 450 km/h. J'ai pas fait exactement ce que je voulais. Donc du coup, au printemps, on va remettre ça, je pense, fin avril, début mai, voilà. Voilà, on oublie la vitesse un instant. D'abord, pour vous dire que je suis vraiment content de vous recevoir ici, d'abord parce que c'est vrai que ça fait un petit moment déjà que vous faites de la télévision, que quand on démarrait dans ce métier, c'était mon cas, on était reçu dans les émissions de Vincent Perrault, et que c'était très agréable quand on démarrait, quand on débutait d'être reçu par Vincent Perrault, parce qu'il n'y avait pas un garçon plus gentil pour mettre à l'aise quelqu'un sur un plateau de télé. C'est pour ça que je suis très content de vous recevoir ce soir. Voilà, okay, je voulais le dire, parce que c'était assez rare. C'est vrai. Comme il s'y connaît en cinéma, quand il reçoit une comédienne, ça doit plutôt être agréable. La preuve, vous sortez prochainement un bouquin sur les musiques de films. Oui, ça c'est la couverture provisoire parce que je suis en train de la revoir. Mais comme en dehors des sports mécaniques, ma vraie passion c'est quand même le cinoche. Moi je vis cinéma, je respire cinéma, j'en regarde tous les jours. Vous imaginez bien qu'on va pas vous laisser partir comme ça. On veut vérifier si vous connaissez vraiment les musiques de films. Bon. Test, première musique de film. D'accord. Vous soufflez pas. Ça c'est Maurice Jarre, c'est... je sais plus si c'est Laurence d'Arabie, c'est Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, Maurice Jarre, bravo. Oscar Hollywood. Deuxième musique. Ennio Morricone, le clan des Siciliens. Exact. Ah, il est fort. Autre musique. La Boum, je vais pas te demander si tu danses, mais c'est Vladimir Kosma, La Boum. La Boum 2, exactement. Boom 2. Encore un film. Une musique. Ah, alors, ça, c'est pas une musique de film. Une chanson. C'est une chanson qui a été utilisée dans le premier film que Delon a réalisé, qui s'appelle Pour la peau d'un flic. Dans la peau d'un flic, pour la peau d'un flic. Oscar Benton. Dansonner du jeu. Alors, il est très très fort. Allez, un petit dernier pour la route. Là, ça va peut-être être un peu plus difficile. Ah ouais. Alors, je connais la chanson, évidemment, mais dans quoi ça a été utilisé, ça? C'est plus récent, beaucoup plus récent. Ah ouais. Souffle. Ah voilà, vous êtes déjà dans la peau de Pierre Tchernia, vous connaissez les vieilles musiques. Je connais la chanson, mais la musique de Jet Set, vous connaissez ça. Ah oui, évidemment, le film de Théo, c'est vrai.
vrai, c'est vrai. Bon, c'est quand même pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Un autre sujet, l'émission des records. Oui, on reste dans le même sujet, dans les records, voilà. C'est vrai. Alors, l'émission des records, ça c'est sur la chaîne concurrente. Vous aimez ça, alors, les gens qui tentent les records les plus incroyables? Mais j'aime bien, parce que j'aime bien les barjots en règle générale, quel que soit le domaine. Et c'est vrai que dans l'émission des records, il y a quand même, des gens qui sont totalement barrés, quoi. Et on va voir si vous êtes totalement barrés, comme vous avez plutôt bien réussi le test sur les musiques. Ouais. Je vous propose un autre petit pari, savoir si vous êtes vraiment recordman à tous les niveaux. J'ai demandé à tous les niveaux. À tous les niveaux, on va vous donner un yaourt. Dommage. Bah, on va essayer d'établir un record, celui qui mangera le yaourt le plus rapidement possible. Et sans cuillère, et vous êtes évidemment. Seul non, mais... face à l'équipe. Ah, non, attends, mais moi, sans cuillère. Sans cuillère, sans rien. Moi, j'interdis à mes enfants de faire ça. Y a oui, un bah truc toi, tu t'es, arrête de faire la bourge et tu bouffes. Attention, Stevie. Mais tu sais, une petite précision. Il est seul face à nous. Oui, et petite précision. Ah oui, les mains derrière le dos. Il faut avoir les mains derrière le dos. Non, attends, arrête. Ah oui, oui, si, si, si. Vous le faites aussi. Je le fais aussi. Mais ça, moi, je le fais ça. Ça s'appelle le gobage. Le gob, allez. C'est quoi ce gob? Pardon, mais les mains derrière le dos. Mais c'est, je vais pas en plus me pencher. Ah, ben, oh, si. Ah, mais moi je le fais pas, il y a du caramel. Mais si. Il y avait qu'à enlever le caramel. Bon, vous êtes prêts? C'est le secret. De... On a souvent dit que vous étiez le futur Michel Drucker à vos débuts. Oui, j'ai pas 60 ans encore. Voilà. Ah, regardez Perry. Incroyable, attention. Et en plus, magicien... Attendez. Ouais. Bon, attendez, on va le faire. Ah, moi, ce qui me plaît le plus, c'est le regard d'Annie. Il s'est dit, ils sont tous barrés un peu plus chaque jour. Regardez Derek. Derek Miller, pardon. Il utilise un subterfuge. Gérard, c'est très facile, j'y suis arrivé. Mais oui, mais il est beaucoup plus gourmand. On y va. Écoutez, alors, on va vous faire remarquer, alors, Laurent. Vous non, mais attendez, là, vous avez mangé avant l'heure. Perry, reprends celui-là. Annie, on va vous voir le faire. Il est fou, lui, mais si, reprends celui-là, on y va tous ensemble. Attention, 1, 2, 3. Annie, si vous ne le faites pas, vous retournez à Canal+. Il faut prévenir les filles, aucune sensualité, c'est pas possible. T'as vu, fais un effort, merde. Il y a quand même une différence de tenue entre TFA et service public. Je peux vous demander un truc, vous cherchez pas un petit poste dans l'équipe parce qu'on se marre assez chez vous quand même. Écoutez Vincent Perrault, je crois qu'on ne pourra pas aller plus loin ce soir. Ah non, là on a déjà fait vraiment des records là. N'hésitez pas à revenir nous voir quand vous voulez sur France. Ça sera très sympa, avec grand plaisir. Merci Laurent, merci à vous tous, salut. À bientôt, ciao. Le 10 septembre dernier, Jacques Le Divellec sortait un nouveau livre, « Ma vie, une affaire de cuisine » aux éditions Grasset, en collaboration avec Jean-Claude Renard. Ce ne sont pas des recettes de cuisine que nous sert l'un des meilleurs chefs français, mais le récit de sa vie, une autobiographie, aux petits oignons évidemment, de ses 50 ans de carrière, assaisonnée de rencontres croustillantes et de mésaventures salées. Lundi dernier, Jacques Le Divellec fêtait donc ses 70 ans avec le gratin de la politique au Parc Hyatt, Paris-Vendôme. Frigide Barjot, en panne de célébrité, a testé pour nous devenir l'amie des politiques présents lors de cet anniversaire. Une caméra cachée derrière les bougies par Julien Héron. Bonsoir, Frigide Barjot. J'ai testé pour vous devenir l'amie des hommes politiques et des vedettes. Monsieur Allègre, bonjour. Est-ce que je peux vous conseiller celui-là? Il est excellent. Voilà, j'en profite. Je suis là en extra, en fait. Voilà, on ouvre une pizzeria avec mon mari au Blanc-Ménil. Il nous faudrait une photo de vedette, vous voyez? Vous voulez pas? Mais si, monsieur Claude Allègre, bien sûr, on se souvient de vous à la télé. J'ai mon cousin Gino, il a le Polaroid. Ça, c'est sympa, hein? Bon, merci. On pourra dire qu'on est la pizzeria des vedettes. Très bien. À
Madame Bernard Tapie, vous ne voudriez pas faire une photo? On la mettrait dans la salle du restaurant. Parce qu'ici... Il faudra attendre qu'il y ait mon mari. Pardon? Il faudra attendre qu'il y ait mon mari. On lui demandera, mais déjà vous, c'est pas mal. Ça pourrait, vous savez, comme ça, les femmes viendraient dans le restaurant. Alors vous faites comme ça et vous faites... Ça, c'est Gino, mon cousin. D'accord. Et puis vous faites... et buono la buona pizza. Ah bon? Et buono la buona pizza. On ouvre une pizzeria avec mon mari au Blanc-Ménil. Ah. Alors, ça serait sympa, super d'avoir une photo avec vous. Avec plaisir. Voilà, comme ça, ça ferait venir les clients. Et vous faites, voilà, comme ça, et buona la buona pizza. Ah oui, buona, buona. Et buona la buona pizza. On va la mettre au mur. Il y a déjà Marcel Zanini, Jean Lefebvre et Annie Cordy. Est-ce que ça vous ennuie pas? C'est pour la pizzeria de mon mari chez Angelo. On pourrait faire une photo tous les deux, on la mettrait au mur. Vous faites comme vous voulez. Comme ça? Yeah, hop, quelle voilà. Super pizza. Oh, qu'elle est belle, elle est bonne. Est-ce que vous pourriez me mettre un petit mot? Oui. Pour Angelo. Alors, pour Angelo, hein. Le roi des pizzaiolos. On a déjà Robert Meignery et Annie Cordy. Oh là là. Pour Angelo, non, le roi des pizzaiolos. J'en sais rien, le roi, encore faut-il le prouver. Mais si. Quand j'aurai goûté ces pizzas, on verra. Voilà, je vous laisse ma carte. Voilà, vous nous appelez avant pour qu'on nettoie bien. Ah, que c'est ça... tellement sale chez vous. Hein. Mais non, c'est que vous soyez bien reçus. Hein. Brigitte Bardot, bravo. C'était à l'occasion des 70 ans de Jacques Le Divellec, grand chef cuisinier, réputé à Paris dans le milieu de la politique, pas seulement les hommes politiques, mais aussi les journalistes politiques, les animateurs, le monde des médias. On va accueillir tout de suite Jacques Le Divellec. Ah. 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 Bon, ah, hein. Ah, oui. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Monsieur Ruquier, bonjour. Je vous en prie, monsieur Le Divellec. Quand j'ai vu les crèmes renversées, j'ai dit, il faut que j'arrive à temps parce qu'il faut leur changer le palais et puis enfin, les, d'homme de goût. Leur on redonner pris, une nous. Joie de vivre. Oh. Hein. On n'a pas pris les crèmes, nous. Vous voulez faire gober une huître tout de suite à Annie Lemoine? Je cours, j'arrive. Regardez là. C'est une de Léron? Non, là c'est une Pratarkoum, une bretonne. Merci. Allez-y. Merci. Un gros plan hein, sur la langue d'Annie Lemoine, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. C'est de la jalousie, ça. Oui. Superbe. Parce que ce que je n'ai pas dit, évidemment, c'est que votre restaurant était avant tout un restaurant de poissons, monsieur Le Divellec. Oui, 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 je joue dans le poisson. Votre papa était pêcheur, marin lui-même? Mon père n'était pas tout à fait pêcheur. C'était son grand-père. C'est son c'était mon grand-père. Votre grand-père. Mon grand-père. Ah, asseyez-vous, je vous en prie. Ah, ça, c'est gentil. Merci. Voilà, oui. Je vais vous débarrasser, vous serez plus à l'aise. Un connaisseur, hein. Un connaisseur. Non, mais vous pouvez débarrasser, effectivement. Oh, d'accord, okay. Monsieur Le Divellec, ma vie, une affaire de cuisine. Vous racontez pas seulement votre parcours, mais aussi, évidemment, les gens que vous avez croisés dans votre restaurant. Oui. D'abord, à La Rochelle, le premier restaurant? À La Rochelle, exactement. À La Rochelle. En 58. En 58. Oui, oui. Et puis allez-y, ensuite... allez-y, parlez. Hein. Ça ne nous gêne pas. Et puis ensuite, à Paris. Et oui, oh. Alors 20 ans après. Hein. 20 ans après. Oui, oui. 25 ans après. Il est ouvert depuis combien de temps, votre restaurant à Paris? Depuis 83. Oui, depuis 83. 83. Alors, et moi, j'y suis allée hier. Oui, oui, oui. C'est pas vrai. Ah bah oui, on est là pour tester. Oui, oui. Alors, bon, c'était une initiative à la sortie, personnelle. Madame m'a dit, j'ai très bien déjeuné. Ce homard était bon? Alors, le homard était... Je dois être honnête ou pas? Ah, mais je suis là pour ça. Bon, j'étais avec une amie, on a pris deux entrées, le homard et la terrine de foie gras de canard. La terrine était sublime, extraordinaire. Le homard était bien, mais rien d'extraordinaire, rien de très nouveau. Du homard, quoi. Du homard. Disons-le. Quand on en mange tous les jours. Oui, c'est ça. Oui. Absolument, il a besoin d'être un peu plus. Il n'avait pas un goût de breton, non, par hasard? Je l'ai trouvé bon, je vous ai dit, mais pas nouveau. Il est sorti de votre restaurant, il a dit le homard m'a tué. Non, alors. Par contre, en plat, on a goûté les rougets poêlés au coulis de. Et c'est somptueux.
Je le recommande vivement à ceux qui veulent. Mais j'ai de la veine quand même, j'ai de la veine, vous ne trouvez pas, non? Si vous avez eu autant de personnalité chez vous, et surtout, avant tout, autant d'hommes politiques, c'est surtout, évidemment, grâce à votre cuisine, mais aussi parce que vous avez une situation dans Paris, un lieu tout près de l'Assemblée nationale, j'imagine. Vous savez, j'ai pris ce restaurant en 83 et il était pratiquement en faillite. Alors, vous voyez, l'emplacement, quand j'ai questionné les guides, ils m'ont dit, mettez-vous là, mettez votre nom. Vous êtes têtu, vous allez y arriver. Et pourquoi il ne vous a jamais donné la troisième étoile, le Michelin? Vous avez deux étoiles. Parce qu'un marchand de poissons n'a jamais trois étoiles. Jamais, jamais. Et pourquoi? Jamais. Et pas parce que c'est comme ça. Mais parce qu'il y a toujours quelqu'un pour trouver le homard. Comment... Très bien, Valérie. Vous avez eu Jack Lang. Vous avez eu André Santini. Vous avez eu Claude Allègre à votre anniversaire. Oui, les présidents de la République sont venus tous chez vous? Tous. François Mitterrand? Ah oui. C'était quoi son plat préféré à tonton? Le rouget que madame a... Le rouget de Lille? Il est exceptionnel. Ouais, sûrement, oui. Au début. Oui. Au début. Mitterrand, Chirac? Chirac, oui, moins. Moins? Moins. Ah, il aime moins le poisson, peut-être. Il n'est pas penché vers le poisson. Il est plus cervelle. Et comme je fais pas la tête. Voilà, il est plus tête de veau. J'ai dit la tête, je fais pas la tête. Faites pas la tête. Bon. Annie Lemoine, vous l'avez lu, vous aussi? J'ai beaucoup de respect, moi, pour ce que vous faites. Merci. Et la façon dont vous le faites. Parce que les trois ingrédients, j'ai envie de dire, après avoir lu votre livre, fondamentaux de votre vie, c'est l'énergie, le travail, l'ambition. Et c'est quasi génétique, vous avez hérité de ça, et puis vous avez voulu aller plus loin, vous êtes allé très haut, servir des présidents. Et je trouve ça merveilleux, c'est une très jolie vie, donc j'ai envie de vous dire merci, c'est tout. Je vous remercie, madame. Jacques Bouvelac, ma vie, une affaire de cuisine. Dernière petite question avant de vous laisser partir. Moi, j'aime bien le poisson. Au restaurant, je choisis le poisson, mais vous me garantissez, il n'y a pas d'arête. Ah, zéro arête hier. Alors, on va vous faire passer quelque chose. Je vous ai amené un poisson qui sert, quand vous serez invité quelque part, d'enlever les arêtes. C'est si pas on vrai. Apprend les arêtes et vous les mettrez sur le. Ah, parce poisson. Que moi, découper, ça, je ne sais pas. Eh bien, vous aurez ça tout à l'heure. Hein, un avec petit cadeau. Grand plaisir, un petit cadeau. Allez, Jacques Le Divellec, avec Jean-Claude Renard, qui est journaliste, oui, lui. Oui. C'est un entretien, en exactement. Fait, à ce livre. Ma vie, une affaire de cuisine, chez Grasset. Merci. Merci. Et vous avez préfacé aussi, je le dis, toute la cuisine de la mer, chez Hachette. Toutes les techniques et les recettes d'un grand chef, expliquées pas à pas. Merci beaucoup. Dernier invité. Depuis la semaine dernière, l'aubergine préférée des Français, vous avez tout de suite deviné de qui il s'agit, est à nouveau sur les planches du Théâtre des Nouveautés pour la pièce « Ma femme est sortie », une pièce de théâtre mise en scène par Jean-Pierre Darvel et Olivier Massé, avec à l'affiche Jean-Pierre Castaldi, Jean Darlic et Virginie Pradal. L'histoire est simple, la servante devient la maîtresse de maison dans cette pièce et la maîtresse de maison devient... la servante. Maîtresse, servante, ça ressemble à du vaudeville, c'en est un sûrement. Et pour tester cette pièce, recevons la Marie Pervenche qui passe facilement du trottoir au boulevard. Voici Daniel Evenou. Wow. Hey, quand même. On a de la chance ce soir parce qu'on reçoit que des gens qu'on aime bien. Ah, oh, merci. Je sais que vous aviez peur avant de venir. J'ai toujours peur. Elle est pourquoi angoissée. Je suis une femme angoissée. Oh, pourquoi vous avez peur de venir nous voir? Parce que j'ai pas assez. Oh. C'est une bonne réponse. Et je pense. C'est vrai? Mais alors, voilà. Bonjour. Bonjour. Je sais pas d'où ça vient, cette tenue espagnole. Alors, je recommence. C'est la même boutique que j'avais pour l'anniversaire de notre amie Sophie Garel, et voilà. Ouais, parce qu'on s'est croisés la dernière fois chez Sophie Garel. Et nous avons chanté. Pour ses 40 ans. Voilà. De métier. Oh. Non. Mais bah, c'est vrai, elle en est fière. Eh ben, oui. Et nous aussi, on en est fiers. Elle a commencé très très tôt, et puis on l'aime alors, de toute façon. De toute façon. Voilà. Ma femme est sortie, c'est le titre de la pièce que vous jouez depuis combien de temps maintenant? 5 jours. 5 jours, ça se passe bien? Pour l'instant, c'est plein, pourvu que ça dure. Et puis, moi, j'ai beaucoup de chance parce que ça s'appelle Madame est sortie. Oh là là, ma femme est sortie. Ma femme, pardon, j'ai dit quoi? Madame. Madame. Voilà. Et... ah, on va la remettre en place, là. Tac, alors, je joue. Attendez, faut remettre, aidez-moi. Hein. Mais oh là, en tout cas, pas. Je sais que le métro, c'est Grand Boulevard. Parfait. Ah, alors, vous êtes dans le métro comme ça, je veux dire... Non, je sais, c'est pour vous. Ah, bon. Alors, je joue Madame est sortie, une pièce de Jean-Marc. Ma femme. Ma femme. Ma femme est
parce que oui. dans le texte, à mon avis, souvent... Au théâtre des... Vous dites, madame est sortie. Nouveauté. Métro. Grand boulevard. Parfait. Je suis... Daniel est venu. Oui. Moi, je vais bientôt faire du théâtre. Quand on fait du théâtre, il faut absolument parler comme ça, tout à fait, ou pas. Vous savez pas si vous avez le trac ou pas. Ah oui, j'ai le trac. Moi, je meurs. Ah bon. Je suis comme Jacques Brel. Brel, pardon. On vous a vu hier, vous n'avez pas cafouillé comme c'était ça. C'était vous qui étiez dans la salle. Oui, mais vous n'avez pas du tout cafouillé. Non, en scène, je ne bafouille pas. Je mets quelquefois un mot à la place d'un autre, mais j'articule. Voilà. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Stevie, vous êtes allé au Théâtre des Nouveautés. Ouais, j'y suis allé dimanche. Après-midi. Dimanche oui, parce que le soir, on ne joue pas. Oui. C'est logique. Voilà, et non, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Vous êtes... je ne pensais pas aussi bien faite. Vous êtes drôlement bien faite pour votre... Oh, je recommence. Merci, Stevie. Non, mais c'est vrai, quand tu penses qu'elle a servi à Jacques Martin, c'est vraiment de la confiture au cochon. Alors ça, c'est pas gentil. Je rigole, oh, je rigole. Je suis sûre qu'elle ne le pense pas. C'est parce qu'il est devenu gros que je dis ça. Oui, mais... Oh. Et il nous regarde tous les soirs. Nous nous voyons beaucoup en ce moment. Mmh. Et c'est un grand bonheur parce que toute la famille s'entend. Ça, c'est formidable. Il y a 8 enfants. Il en a 8, lui. Hein. Oui, 8. Et vous? Ah non, pas. Mais peut-être ce soir, Daniel. Enfin. Eh oui. Il a peur. Non. Ah, vous dites, je vous embrasse sur la bouche. Alors ça, quand vous voulez. Bon, on s'égare. On s'égare. On s'égare. Donc, je joue. Ce soir, c'est ici le théâtre des nouveautés. Hein. Ma femme, c'est bien, hein, oui. Est sortie oui. de Jean Barbier. T'as écrit « Ma femme est folle ». Oui. T'as duré pendant 3 ans, donc on a quand même de... Hein? Et sans toi, c'est dingue. Mais moi... Vous avez ri, Stevie, ou pas? Ah oui, j'ai beaucoup rigolé, ouais. Enfin, vous êtes vraiment très marrant. Mais il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Virginie Pradal. Ah, j'allais en parler. Et elle est exceptionnelle. Aussi. Mais oui, Virginie Pradal, elle est exceptionnelle. Ah, j'aime beaucoup cette femme. Vous lui passerez mes amitiés à Virginie Pradal. Oh, ouais. Tout de suite. Enfin, dès que j'arrive. Je suis pas encore partie. Perry y était aussi, au tas des oui. nouveautés. Alors, moi, je ne suis pas du tout cliente de ce genre de spectacle. De... Bah, ça va, on a le droit de dire. Ah oui, enfin, on a le droit Omar. De dire. Bon. Mais elle aime contre... Omar. Et encore, pas métro tous. Des grands boulevards, voilà. Là, c'est pas tellement bon. Le truc. Par contre, quelle énergie, quelle pêche, quelle gaieté dans ce... Ça, c'est ce qu'on dit quand on ne veut pas faire des compliments. Mais si, absolument, une pêche incroyable. Le public riait en permanence. Et donc, j'en déduis que c'est un très bon spectacle, même si je n'aime pas. On a le droit de ne pas aimer et d'être objectif. Absolument, et les gens voilà. sont très heureux. C'est ça voilà. qui compte. Ça, c'est un grand bonheur. Voilà. Gérard Miller, alors, Daniel je n'ai pas vu la pièce, mais je suis sûr qu'elle est formidable. La parce pièce que, ou moi non, les deux. Tout. Parce que comme je... Prends le faux cul. Mais non, mais je vais t'expliquer comme je fais. Je rentre pas à pas dans ce milieu-là, je vais pas... Je n'avais jamais imaginé que je pourrais être sur scène, et depuis qu'on m'apprend à répéter, je découvre à quel point c'est un métier difficile. Et, bah, mais c'est, je vous assure, j'ai vu je ne sais combien de pièces de théâtre, parce que j'adore le théâtre. Mais quand vous passez de l'autre côté et que simplement vous découvrez ce que ça veut dire d'écouter quelqu'un, non pas comme un psychanalyste écoute un patient, mais d'écouter quelqu'un dont vous savez la réplique, en donnant le sentiment que vous ne savez pas ce qu'il va dire, c'est incroyablement difficile. Donc l'important est de se dire certainement ce que vous faites. D'où je viens, où je vais et pourquoi. Et François Perrier disait, ce métier c'est tu me parles et je te réponds. C'est difficile à comprendre? Non. Non. Très bien. Daniel, est-ce que vous restez avec... Je peux pas la regarder en face. Est-ce que... Pourquoi? Je ne sais pas. Je vous trouve... Je sais pas. Bon, ça va pas recommencer. Ah bah ça va, toi. Vous voulez un baiser, j'arrive. Oula. Non, c'est pas de vous qui voulez un baiser. Je te trouve bien alors, je vous en prie. Oui, Daniel. Voilà. Daniel. Je regarde. Daniel, regardez-moi dans les yeux. Là, là, là. Est-ce que vous restez avec nous pour la dernière séquence de l'émission? Oui. Qui s'appelle le... Qui a vu qui? Parfait. Est-ce que vous connaissez le principe? Vous allez me poser des questions et je vais répondre. Des photos qu'on vous montre, à des vous photos, de retrouver ça, oui, qui est qui. Alors allons-y, c'est parti. Premier qui a vu qui? Oh, bah c'est facile. C'est... Jean-Michel Jarre. Bravo! En concert au Danemark. Oui. Devant 35 000 spectateurs. J'espère que sa belle fiancée sera là. Ah, vous savez qui c'est, sa belle fiancée? Oh, bah oui, c'est écrit dans tous les journaux. Elle s'appelle Isabelle Adjani. Exactement. Peut-être qu'ils vont se marier, j'ai entendu dire. C'est pas vrai. Oui, oui, oui. Autre qui a vu qui? Oui.
Oula. Oula. C'est Robin Williams. Absolument. Exactement, Robin Williams. Bravo, Valérie Mérès. Qui joue dans Photo Obsession, c'est un film qui est sorti mercredi. Il paraît que c'est très très bien. Il paraît que c'est un bon Robin Williams, ce film. J'en ai entendu parler. Et c'est un rôle à Oscar. C'est un rôle à Oscar. Oh, comme elle parle bien. Ah, elle parle bien, hein. Ouais. Autre qui a vu qui? Robert Redford. Non, 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 non. Harrison Ford. Harrison Ford, bravo Stevie. Lui aussi à l'affiche d'un film dont j'ai oublié le titre, mais je vais le retrouver. Comment il s'appelle le film qui est sorti avec Harrison Ford? Je ne sais pas. K-19, un truc comme ça. Moi je suis dans un film qui sort bientôt. Ma femme s'appelle Maurice. Décidément, je n'ai que des femmes. Oui. Ma femme s'appelle Maurice. Votre femme est sortie, elle s'appelle Maurice. Oui, le film de Jean-Marie Poiré. Ah oui, avec Claude Pelletier et Chevalier. Oui, je suis dedans. Et Raphaël Misrahi. Quel rapport avec Harrison Ford? Aucun. Ah d'accord. C'est parce que ça lui a fait penser. Cinéma. C'est beau d'être à l'affiche avec Chevalier d'Aspalès, Jean-Marie Poiré et en plus une femme qui s'appelle Maurice. Allons-y, autre qui avec qui? Oh, Beauvais. Bravo, José Beauvais. En train d'arracher le colza. On parle de lui. Elle est bonne, hein. C'est normal, attendez, là c'est facile. C'est facile? Mais ben, ils n'avaient pas trouvé les copains encore. Hein. Non, on laissait la vidéo. Ah, Daniel, oui. On invité. Oui, c'est vous ça. Oh, deux fois. Oui, c'est vous deux fois. Vous aimez vous voir? Non, mais là, oui. Ah, ben, très bien. Ah, là, je trouve que c'est pas mal. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule, c'est fait aujourd'hui? Oui. Non. Pendant que je vous cause. Mais alors, c'était un moment où je parlais pas. C'est d'abord, on a eu du mal à le trouver, mais on l'a trouvé. Oui. Ah, je le veux pour toujours. Tu vois que t'es bien quand tu... Tu veux que je me... Il y a le journal de 20h, Daniel Evnou. Eh bien, oui, il est l'heure. Ah bon, ou alors on fait un truc. C'est que vous, le journal. Vous faites le journal de 20h. Avec vous. Alors, attendez, on va faire un truc. Je vous laisse. Oui. Hein. Vous dites, il est 20h, France 2, les nouvelles. Il est 20h. France 2, les nouvelles. Allez, au revoir. Thank you.